do we dance in the moonlight? Must be a reason why. Why don't we make love in the daytime? Must be a reason why. I discovered a box full of Polaroid pictures. The colors were faded. Man, I miss them. Ain't no place that I would rather be. Why do we dance in the moonlight? Must be a reason why. Why don't we make love in the daytime? Must be a reason. Memories were pure as the laughs over dinner. Memories fade, you soon replace them. What has changed from the world you used to see? Why do we dance in the moonlight? Must be a reason. Why don't we make love in the daytime? Must be a reason why. Must be a reason why. Must be a reason why. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je vous refasse un vlog. Et ce soir on a une soirée d'Halloween avec nos amis. Et du coup je vais vous parler un peu pendant que je me prépare. J'ai mon petit miroir là. Désolée, j'introduis ce vlog comme ça. Ce matin j'avais une version grecque sur table. Et c'était vraiment une des versions les plus dures que j'ai faites de ma vie. Pourquoi j'ai mis du... Je voulais juste en mettre sur le dessus de mes paupières pour faire comme une base. C'était du Thucydide, c'était vraiment horrible. Je vais vous montrer quel maquillage je fais en fait. Je me déguise en réponse, du coup je vais faire soit un maquillage comme ça, soit un maquillage comme ça. Je sais pas encore, je vais faire avec ce que j'ai un peu. J'ai pas non plus de perruque blonde, je vais faire avec mes cheveux, je vais faire un brushing. Après je les ai attachés un peu serrés pour pas qu'ils frisent et qu'ils bouclent trop. Là les clips que vous avez vus au début de la vidéo, c'est des clips que j'ai filmés il y a deux week-ends. On est allé au parc de la Vallée aux Loups où Chateaubriand avait une maison. Et c'était vraiment magnifique. Et j'avais vraiment envie de le filmer et de le mettre dans une vidéo, même si il n'y a pas forcément de continuité avec la vidéo d'aujourd'hui. Parce que du coup on est deux semaines plus tard. Je voulais un peu vous faire des updates sur l'agrégation cette semaine. En fait c'est la dernière semaine avant les vacances. Enfin les vacances, ça va être une semaine très rapide, je le sens. Je pense que j'aurai pas mal de choses à vous raconter. Je vous fais enfin un nouveau vlog. Vous avez vu que le rythme a un peu ralenti sur la chaîne, le rythme des vidéos. Mais c'est trop dur de tout faire en même temps. J'arrive plus trop à suivre, j'avoue. Donc bon, je fais comme je peux et je fais de mon mieux, mais je crois que ça va quand même passer à une fois toutes les deux semaines minimum. Après si j'ai le temps je ferai une vidéo toutes les semaines quand je peux, mais voilà, pour la plupart du temps ça va pas être possible de faire mieux que je fais maintenant quoi. J'ai pas la robe exacte de réponse, j'ai une robe violette. Par contre j'ai trouvé des accessoires qui sont trop parfaits. Avant de regarder des vidéos booktube, je regardais beaucoup de vidéos beauté tout ça. Enfin j'ai commencé à regarder des vidéos comme ça sur YouTube. La première chaîne, la première youtubeuse que j'ai suivie, c'est Elsa Makeup. Je me rappelle exactement de où j'étais et tout ça la première fois que j'ai regardé une vidéo d'elle. Et après j'ai très vite commencé à regarder du YouTube en anglais, et ça c'était plutôt Miss Glamoradi à l'époque, Ingrid Nielsen, je sais pas si vous voyez qui c'est. En fait je sais pas si je fais quelque chose de rond et fondu comme ça, ou si je fais vraiment... bah remarque, les fards ils sont assez fondus sur celle-là aussi. Sinon, comment se passe la grecque? J'avoue que ça va, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Après j'ai eu un petit peu du mal à m'organiser... à trouver un bon rythme de sommeil et tout ça. Mais voilà, pour l'instant ça passe. À part vraiment ce matin, franchement ça m'a refroidi, ça m'a un peu traumatisé. Mais je pense que c'était le but de la prof en nous mettant une version aussi dure, c'était qu'on se repose pas sur nos lauriers parce qu'on a l'air d'être un bon groupe. Et du coup voilà, elle veut pas qu'on pense que c'est gagné d'avance, et du coup bah elle nous l'a bien prouvé. Le truc c'est qu'on doit faire vraiment beaucoup beaucoup de
de langues anciennes, enfin ça paraît logique hein, dit comme ça. J'ai pas trop eu le temps pour l'instant, du coup je vais me concentrer là-dessus je pense pendant les vacances, parce que j'ai fait beaucoup de latin et de grec et assez peu de français, mais c'est aussi super important. En plus on a eu les dates du concours hier je crois. D'habitude ça commence pour les lettres classiques vers le 20 mars comme ça, et cette année ça commence le 27 février. Donc on a un mois de moins pour préparer les écrits. On était un peu paniqués quand on a vu ça. En tout cas ça va pour l'instant, je suis pas trop en burn-out. La semaine dernière, le week-end c'était un peu dur. Je m'étais levée tôt deux fois de suite et couché un peu tard. En fait j'avais voulu absolument finir ma vidéo. Je suis restée enfermée toute la journée à faire ma vidéo. Et à la fin de la journée j'en pouvais plus. Ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Je vais accélérer un peu au niveau du make-up et je vous retrouve quand je m'habille, je me prépare et tout pour vous montrer mes petits accessoires, les choses que j'ai trouvées. Bon, regardez pas mes cheveux, c'est... Il y a Sarah. Montre ton déguisement, Sarah. Lève-toi. Ok, je vais où? Elle est trop bien déguisée, Sarah. Bah, bah là où on peut voir. Elle est en Alice au Pays des Merveilles. Waouh, elle est trop belle. Et ouais, du coup, mon make-up, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Oui. J'ai un serre-tête comme ça que je vais mettre qui est genre trop parfait avec des petites marguerites et tout. Et après, j'ai trouvé l'accessoire parfait pour faire un petit rappel à Pascal. Et voilà le résultat. Il me manque juste la poêle à frire. Cause I don't see you in mine. High of broken love and an empty smile. The kind of love that makes you stay a while. Then hangs you up to dry. J'ai 5 minutes pour me poser cette semaine. À partir d'aujourd'hui, je vous emmène un peu plus avec moi dans une semaine typique d'agrégation. J'ai pas énormément filmé hier et aujourd'hui parce que c'est des journées bien remplies pour moi. J'ai beaucoup d'heures de cours le lundi et le mardi. Je voulais juste introduire un petit peu cette vidéo de manière correcte parce que j'ai l'impression que j'ai filmé plein de petits bouts par-ci par-là et qu'il n'y a rien qui va ensemble. Et cette semaine, j'ai pas de gros devoir maison de latin et de grec parce qu'on a eu pas mal de versions sur table ces derniers temps, et puis comme on a les vacances la semaine prochaine, je vais les faire la semaine prochaine, celles qu'on nous a déjà données. Donc voilà, je vais pas faire ça cette semaine, ça me libère pas mal de temps pour travailler le français, les lettres. Cette semaine je vais en profiter vraiment d'avoir peu de choses à faire pour me plonger dans les lettres. Et aussi je vais faire beaucoup de révisions de grammaire parce que j'ai un thème grec qui arrive samedi sur table. Il faut que je révise bien ma morphologie pour pas perdre de temps. Demain matin on va à la bibliothèque à 10h à l'ouverture avec une de mes copines. Demain il y a quelque chose d'assez cool aussi, c'est que avec le professeur de TD de Jean de Léry, on va aller voir les manuscrits de récits de voyage à l'Abysse. Donc ça va être cool je pense. On va aller dans la réserve de l'Abysse et tout, j'y suis jamais allée, je sais pas à quoi ça ressemble. L'Abysse c'est la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Donc j'ai hâte de voir, j'espère que je pourrai vous filmer un tout petit peu les manuscrits, faire une photo, j'y crois pas trop mais voilà, je vous promets rien. J'ai emprunté deux livres cet après-midi à la bibliothèque. Le premier là je l'ai pas avec moi, c'est juste l'édition Gallimard des années 80 de Marceline. Le prof nous l'a présenté ce matin parce qu'en fait il y a une préface d'Yves Bonnefoy dedans et il a cité pas mal de choses et j'aimerais bien genre lire la préface en entier et me prendre mes propres citations à moi aussi que j'aime bien. Ça va l'air assez intéressant sur la création d'une langue poétique féminine à un siècle où quasiment tous les poètes étaient des hommes et ils avaient créé vraiment une langue poétique
pour les hommes, par les hommes, etc. Donc ça c'était assez intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'il y a d'autre dans cette préface. Le deuxième livre que j'ai emprunté, ça va plutôt être une lecture du soir, parce que j'essaye aussi cette semaine, et d'ailleurs j'espère que ce sera définitif, mais j'essaye de lâcher mon téléphone le soir, et d'avoir un rythme de sommeil un peu plus régulier. Je vais prendre un peu plus de temps pour lire, que je perdrai pas sur TikTok ou sur les réseaux. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de lire ce mastodonte qui est Le siècle des Valmore de Francis Ambrière. C'est la grande biographie de Marceline. Je vais pas, je pense, lire tout en entier. Il y a des choses que je vais skipper qui vont pas forcément être très intéressantes ou importantes, pertinentes en tout cas pour le programme. Mais voilà, je veux juste avoir ça comme lecture de chevet. Même si c'est pas une autobiographie, j'espère que ce sera un petit peu comme les mémoires de Sarah Bernhardt que j'ai lues pendant les grandes vacances, que j'avais adoré. J'espère que... voilà, je vais retrouver un petit peu ce genre de vibes, de me plonger un petit peu dans ce 19e siècle qui est littéralement, je pense, une des époques que je préfère. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. De cette préface d'Yves Bonnefoy que j'aime bien. Une d'entre vous m'a dit dans la dernière vidéo que son prof de lettres avait dit à ses élèves, à ses étudiants, qu'il comprenait pas trop pourquoi Marceline était au programme et tout ça, parce que ses poèmes étaient pas terribles, il me semble que c'est ça qu'elle a dit. Yves Bonnefoy était capable de dire que ses poèmes étaient géniaux. Je pense que ça veut dire qu'il mérite d'être étudié. Alors je vais vous lire juste le passage là parce que c'est un peu la conclusion de la première grande partie de sa préface. Or, à ne pas être reconnue et aidée comme elle avait rêvé qu'elle pourrait l'être, à aimer toujours plus que l'autre et bientôt sans rien en retour, à rencontrer en bref la souffrance sans l'illusion, l'expérience de l'existence sans les différements de lucidité du bonheur, il se trouve qu'elle a mûri, comme peu savent le faire, et accéder, c'est un fait, à une poésie originale et intense qui l'emporte parmi ceux qui avaient son âge sur toute voie masculine. De 1830 à sa fin, ou presque, bien qu'en ces dernières années ses poèmes se fassent rares, celle qui avait commencé par des élégies et des fables dont le goût d'un classicisme exténué a élaboré de façon irrégulière mais de livre en livre toujours plus intense, une parole certes moins ambitieuse que l'éloquence des grands poètes de la génération romantique, mais vouée aussi à l'idée d'une œuvre, distraite comme elle en fut par tant de tâches et de traverses, mais tout aussi émouvante en ces grands moments qu'Hugo ou Vigny ne le furent, et tout aussi infinie en ses vibrations et souvent même plus véridiques. Et nous qui l'avons négligée parce que nous confondons la poésie avec l'art, la vérité avec l'invention, la qualité avec la surprise, nous avons grand intérêt à comprendre par quel mouvement de l'esprit s'est conquise, sur une aliénation qu'elle a ressentie et dite, sur le malheur d'être femme, la première voix authentique de la poésie féminine des temps modernes dans notre langue. Mon chéri, donne-moi une tasse de thé. En train de lire et je me suis dit que je pourrais vous raconter la journée d'hier. D'abord les manuscrits, quand on allait voir les manuscrits, bon j'ai pas pu prendre de photos mais je vais voir si je les trouve pas sur Gallica. Si je les trouve je vous mettrai un petit peu des images comme ça par-ci par-là. Donc on est allé voir des manuscrits à la réserve de la bibliothèque de la Sorbonne et en plus il y avait Franck Lestringuant qui est le spécialiste de Tevet et Jean de Léry et il nous a raconté plein de petites anecdotes et c'était super sympa. Ils ont essayé de sortir des exemplaires ou du moins des livres sur lesquels Léry a pu travailler. C'était super intéressant, super chouette de voir aussi ce livre de manière un peu plus vivante. Donc voilà, c'était très très bien. Et en fait, j'avais oublié
Mais hier soir, on devait aller avec ma copine de la Sorbonne à un concert organisé par France Musique. En fait, elle avait une amie dans l'orchestre, donc voilà, c'est pour ça qu'on y allait. En fait, c'était une reconstitution d'une comédie-ballet de Molière qui s'appelle Les Fâcheux. Et en fait, apparemment, ils avaient perdu la partition. Et il y a un musicologue qui, là, depuis 2 ans, s'est amusé à essayer de recréer les partitions à partir des petits bouts qu'on avait. Du coup, c'était une recréation un peu... c'était un peu un moment historique, quoi. Parce que la première fois que ça avait été joué, c'était devant Louis XIV à Vaux-le-Vicomte. Ouais, c'était assez sympa de voir ça. Alors, il y avait des comédiens... En fait, c'était une captation radio, donc les comédiens, ils étaient pas en costume, forcément. Ils étaient pas... comment dire... C'était pas disposé comme une scène de théâtre. Il y avait pas mal de musiciens, un orchestre et tout. Donc voilà, c'était vraiment une chouette soirée. Ça s'est fini pas trop tard en plus. C'était pas trop galère pour rentrer. Je vous ai annoncé avant-hier sur Instagram le live de samedi. J'ai trop trop hâte de faire le live parce que... Je sais pas, j'avais adoré faire les lives Proust, mais là ça va être beaucoup plus sympa. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont pouvoir participer d'entre vous. Parce que c'est vrai que pour Proust, fallait avoir... Enfin, pas forcément, vu que moi, c'était pas mon cas, mais la plupart d'entre vous qui préparaient pas l'agrégation, enfin, si vous aviez pas lu toute la recherche avant, le temps retrouvé, c'était un peu dommage de se le faire spoiler, et voilà, d'assister au live et de se faire spoiler la fin de la recherche. Mais là, comme c'est en plus live thème Halloween et tout, je vais essayer de faire des petites décos et tout. Et je vous avais proposé de choisir entre lire quelques nouvelles de Poe, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin, L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, ou... Carmilla de Sheridan Fanu. J'avoue que j'avais un peu envie que vous choisissiez celui-là. Merci d'avoir voté en majorité pour celui-là, même si c'était très serré avec Jekyll and Hyde. Parce qu'en fait, je connais pas du tout cette histoire. Ça va être, j'espère, une belle découverte. Je peux vous lire si vous voulez la quatrième de couverture, mais d'ici à ce que la vidéo soit postée, les lives auront eu lieu, donc vous saurez de quoi il retourne. Dans un château de la lointaine Sturie, au début du 19e siècle, vit une jeune fille solitaire, et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté la silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour l'héroïne. Tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à la séduction de Carmilla, une étrange maladie se répand dans la région. Métaphore implacable de l'amour interdit, Carmilla envoûte jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière goutte de sang. Maître du récit des fantômes et de vampires, l'Irlandais Sheridan Le Fanu, et l'un des pionniers du roman mystère anglais, Carmilla annonce le Dracula de Bram Stoker. Je sais pas pourquoi, mais cet automne, cet Halloween, j'ai beaucoup tourné autour des vampires, j'ai lu Dracula, j'ai regardé aussi sur Netflix une série qui était trop bien, Midnight Mass, enfin une mini-série. En fait, vous savez, c'est les mini-séries Netflix avec toujours les mêmes acteurs comme The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass et The Midnight Club aussi que j'ai regardé là récemment. C'était incroyable, c'était trop bien. J'aime trop trop ces séries là. Ça va être un petit peu, je pense, le bouquet avec ce livre là qui est une histoire de vampire lesbienne. En plus c'est trop cool, ça change, je connaissais pas du tout, donc j'ai trop trop hâte de le lire avec vous. Je vais lire la préface pour avoir quelques petits éléments de contexte à vous donner avant qu'on commence la lecture et me renseigner un petit peu. Mais en plus la peinture qu'ils ont choisie pour la couverture, je la trouve trop belle. Après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'ai envie d'aller aux Tuileries et tout par là-bas. Je vais faire un petit photoshoot avec des livres pour le live et Instagram et tout ça. Bon, je crois que ça rend pas trop mal le petit décor là, comme ça. Thank you.
never think I'd get away from you. Un thème grec aujourd'hui qui m'a pris un peu plus longtemps que prévu. On pouvait le faire à la maison, donc j'ai un peu plus pris mon temps que j'aurais eu si je l'avais fait sur place, parce que sinon j'aurais jamais fini. Mais je crois que c'est mieux que d'habitude ce que j'ai fait. Donc bon, là je suis en train de manger et de finir les détails pour le live, parce que du coup c'est le soir du live Halloween, c'est enfin les vacances aussi, c'est cool. J'ai fait un petit décor derrière, je sais pas si on voit grand chose, j'espère que ça se verra dans le live avec la webcam et tout. Je sais pas trop, on verra. D'ailleurs, si jamais vous voulez le regarder, il est disponible pour toujours sur YouTube. Je peux mettre une fiche. J'espère que j'arriverai à tout lire. Du coup, là, le programme, c'est d'essayer de finir la vignette. Une fois que j'aurai fait la vignette, je pourrai commencer à installer tout, la webcam et tout. Et on pourra enfin commencer. J'ai mon livre là. Ça va être chouette, je pense. J'espère que je vais avoir le temps de finir. C'est écrit moins petit que Proust, donc c'est possible que j'ai le temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'est pas le dernier vlog à grec que vous verrez. Je finis ce vlog ce soir parce que demain, je commence à filmer une nouvelle vidéo pendant que je serai chez mes parents. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai très hâte de la filmer. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite un bon week-end, des bonnes vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.